Très bien, c'est donc parti pour ce samedi 11 avril 2020, journée et entraînement en hommage à Loïc Leferme. Loïc Leferme, c'était un champion recordman du monde à plusieurs reprises de nos limites. C'était un ami, c'est aussi la personne avec qui j'ai débuté l'apnée en grande profondeur. Et à son image aujourd'hui, on va réaliser un exercice tous ensemble parce qu'il disait toujours que tous ensemble, on a un seul et même but. Alors aujourd'hui, on va faire un full body workout. C'est aussi bien pour ceux qui veulent faire du training en PPG que ceux qui veulent s'entraîner en apnée. Donc aujourd'hui, on part sur un enchaînement d'exercices. On va commencer par 20 mountain climbers, ensuite 15 jumping squats, 60 secondes de planche, 10 burpees, 60 secondes de jumping jack, 15 push-ups, donc 15 pompes, 25 sumo squats, 60 secondes de butt kicks, 60 secondes de planche, 20 mountain climbers, 15 squat jump, 15 push-ups, 60 secondes de jumping jack, 10 burpees. On va récupérer rien, on ne récupère pas, on enchaîne et on fait cet exercice 3 fois. Donc pensez à avoir de l'eau, bien entendu après les 10 burpees vous pouvez juste prendre de quoi boire un peu et on réenchaîne. Ça n'est pas du tout un exercice à réaliser le plus rapidement possible. Ça n'est pas un AMRAP. Par contre, il va falloir enchaîner et monter en intensité. Je vous rappelle qu'on est sur une semaine de résistance. On termine notre semaine de résistance. Hier, j'ai été relativement clément sur les bras. Aujourd'hui, on finit en beauté. C'est un exercice qui est principalement cardio et qui doit durer dans le temps. D'où la nécessité de comprendre qu'on travaille en résistance. Ok ? Donc, on commence par 20 mountain climbers. Donc une fois que vous êtes échauffé, vous partez sur 20. Et donc vous enchaînez. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lorsque c'est fait, vous montez de suite au créneau et vous partez sur des jumping squats. D'accord? On en a 15 à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ce qui est important, d'accord, c'est d'être bien stable, de bien arriver proprement sur les jambes, de bien souffler. Quand c'est fait, vous passez directement à 1 minute, donc 60 secondes de planche. Pour la planche, je vous rappelle, j'ai le dos bien droit et je vais ici enrouler mes épaules en rentrant la tête. Et je tiens 60 secondes. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que lorsque vous faites la planche, vous travaillez les abdominaux. Mais lorsque vous allez rentrer les épaules, vous allez aussi solliciter ici les muscles qui sont là, qui sont accrochés à vos côtes. Ces muscles, intercostaux notamment, et bien vous allez les travailler en les mettant en tension. Surtout, notamment, lorsque vous travaillez en isométrie comme ça. Quand c'est fait, après votre planche, vous montez, vous faites 10 burpees, des vrais burpees. Je pars, je saute, j'arrive au sol, hop! La pompe et je repars. Hop, et je repars. Et il y en a 10. Hop, et je repars. Bien stable, comme toujours. D'accord? Ici dans l'axe. Quand c'est fait, 60 secondes de jumping jack. Vous vous souvenez? Allez, on enchaîne. On enchaîne pendant 60 secondes. Alors, je vous déconseille de parler comme moi. Bon, en même temps, là, je ne suis pas à fond, c'est pas plus mal. Allez, 60 secondes. Quand c'est fait, on est sur le sol pour 15 push-ups. Aujourd'hui, on se donne du mal, on ne pose pas les genoux au sol et on y va. 1, 2, propre, 3, 4. Alors, à la rigueur, si vous partez sur les genoux sur le sol, vous les enchaînez rapidement. 1, 2, 3, 4. Mais on pose bien. La poitrine au sol. 15. On fait 15 là, non? Je remonte. 25 sumo squats. Je vous rappelle, on les a vus avant-hier, je crois. On est comme ça. Et on descend. Et on descend. Et on descend. Bien bas. Il y en a 25 à faire. C'est long, 25. Hein? Allez, on enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. Ah! Quand c'est fait, 60 secondes de butt kicks. Butt kicks, vous connaissez, hein? Hop,
comme ça. On joue sur la coordination. On y va. 60 secondes. Alors, vous pouvez accélérer. Vous pouvez aller vite. Ah ! Bien entendu. Voilà ce qui se passe. Quand on monte trop en intensité, c'est pas grave, on enchaîne. Quand c'est fait, 60 secondes de planche comme tout à l'heure, je repars au sol, je verrouille et j'enroule. Aujourd'hui, vous allez vraiment sentir pourquoi c'est important d'avoir cette position et pas une autre, malgré les détracteurs. Quand c'est fait, vous restez au sol, pardon, et vous enchaînez sur les mountain climbers. Allez, et sur les mountain climbers, vous en avez de nouveau 20 à faire. Vous enchaînez les 20 pour remonter 15 squat jump. Je vous rappelle, squat jump, squat jump, squat jump, squat jump, squat jump. Ok, on en a 15 à faire. Quand c'est fait, on retourne au sol pour les pompes. Il y en a 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On revient ici. 60 secondes de jumping jack, on les a déjà fait tout à l'heure. J'essaie de ne pas faire tomber le téléphone. Allez, 60 secondes. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ok. Et on termine par 10 burpees comme tout à l'heure. Hop. Je viens là, hop, et hop, et hop, et hop, hop, et hop. Il y en a 10 à faire. Quand c'est fait, vous buvez et vous enchaînez. Je vous souhaite un très très bon entraînement. Je vous rappelle que cet entraînement est dédié en hommage à Loïc Leferme. Il détestait les burpees, il était nul en pompe, mais c'était un super grimpeur. Très très fort comme ça. Je vous donne donc rendez-vous ce soir à partir de 18h sur Facebook et Instagram pour répondre à vos questions les plus pertinentes ou pas dans les domaines de l'apnée, de l'entraînement et de la pêche sous-marine. Merci à tous. Très bonne journée.